Parmi les animations organisées par la communauté d'agglomération du Grand Axe pour la semaine du développement durable, l'une d'entre elles se déroulait au Fab Lab. Ceux qui le souhaitaient ont alors pu venir découvrir comment réparer de simples objets du quotidien plutôt que de les jeter grâce aux nouvelles technologies. Ils vont utiliser des machines de fabrication numérique qui sont très faciles à utiliser. Ils vont détourner ou utiliser d'autres appareils comme par exemple la Kinect pour faire du scanner 3D. Et très facilement comme ça, ils vont pouvoir reproduire des objets et les fabriquer pour leur utilisation. L'objectif de cette journée, c'est de montrer quelques astuces simples. Par exemple, qu'est-ce qui adhère avec quoi? Qu'est-ce qui colle avec quoi? Qu'est-ce qui peut être soudé avec quoi? Comment est-ce qu'on peut faire des assemblages contre nature d'objets? Et ça, la chimie en question, c'est la chimie avec des produits du quotidien, rien de bien complexe, quoi. Ça, c'est la première série de compétences. La deuxième, c'est voir fonctionner les machines de fabrication numérique dans ce qu'elles sont capables de faire par rapport à ce sujet en particulier. Je scanne le tube de mon aspirateur cassé pour faire un manchon et pouvoir le réutiliser, ou je scanne le bouton de la gazinière à ma grand-mère qui est perdue et je tiens cette gazinière, et sans ce bouton, ben, c'est vraiment dommage parce qu'elle ne sert pas. Je l'imprime en 3D et on s'y croirait. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec la quantité de filaments différents d'imprimantes 3D que vous avez sur le marché, vous pouvez imprimer des objets qui ressemblent à du bois, des objets qui ressemblent à de la pierre, à du métal, à du marbre, à des tas et des tas de matières différentes. Quand je travaille la main en bois, j'ai vraiment là. Ce qui me reste sur les doigts, c'est pas du plastique, c'est de l'acier. Ah oui. Et vous pouvez surtout peut-être développer pour améliorer la résistance de la pièce, mais ça peut être aussi développé pour personnaliser cette pièce. Il n'y a pas de limite au sujet que vous pouvez venir proposer au Fab Lab. S'il y a les compétences, on vous les met à disposition. Si elles n'y sont pas, on va les rechercher ensemble. C'est surtout à ça que sert cet équipement. Le recyclage est une part importante du Fab Lab, puisque la plupart des machines ont été récupérées. De plus, le laboratoire permet de créer ou de réparer une infinité d'objets en ne laissant qu'un minimum de déchets. En utilisant par exemple des imprimantes 3D, on se retrouve avec des machines qui ne fabriquent pas de déchets, sauf si on fait des erreurs. On a 30 cm3 de déchets pour 2 ans d'utilisation de machines. C'est juste rien du tout, quoi. Donc ça, c'est la première stratégie. Et la deuxième, c'est on récupère les objets pour leur donner une deuxième vie, ou on se sert de partie de ces objets pour nos projets de recherche frugale, de manière à dépenser le minimum d'argent dans les programmes de recherche qu'on veut mener. Une journée qui a permis au public une nouvelle approche avec le recyclage. Ils étaient appétissants de curiosité, ils posaient des questions très pertinentes sur les enjeux de ce type de fabrication, sur les limites aussi de ce type de fabrication. Et ça, pour nous, c'est important aussi que ce lieu il puisse révéler comme ça des usages ou des pratiques autour du numérique sur lesquels les gens ne sont pas forcément au courant.